Und c'est son spawn. Du coup, le petit moins 31, son adversaire hein, qui essaye du coup. Ouais, qui revient avec un pompe. Erken qui anticipe. Joli. Wooks hein, qui a vraiment mal joué hein. Il aurait dû fuir d'un côté où Erken ne pouvait pas le voir. Enfin, il a pris beaucoup de risques hein, en allant dans une zone. Ça fait plaisir de voir un joueur pro pêcher. Il entend une voiture. Elle l'a vraiment laser. Du coup, le petit moins 100 qui passe. Le petit coup du Spider-Man. Il a failli prendre le mur. Si, si. Encore un kill Spider-Man pour ce début, je pense. Merde. Bon, c'est pas grave. Du coup, Fizz hein, qui a dû faire un kill. Un kill au bateau, c'était sûr. Du coup, ça farm un maximum. Son adversaire hein, qui a direct profité de l'occasion pour aller rush. Là ils hein, qui aurait pu du coup remporter ce fight hein. Genre ah ouais, Lecce, pareil, il saute au circuit en solo et tout. Hein. Ah ouais, Lecce, ça va être son spawn. Hein. C'est officiel, là. Hein. Et en plus de ça, il a mis le skin de Lara Croft. Ah ouais. Dommage. Clément qui a voulu prendre l'arme et qui n'a pas réussi, qui s'est fait. Ah ouais, même Clément ici, c'est son spawn. Hein. Non, c'est trop. Oh, ce qu'il lui a mis. Du coup, Noah Riley qui saute à la caverne.
Cette pioche, c'est chapitre 1. Ah ouais, moins 200. Ah franchement, il a vraiment bien joué avec la tiro et malheureusement qu'il nous tue X-Wiz. X-Wiz hein, qui spawn vraiment aussi dans un spawn de taré. Hein. What? Que son adversaire a dépensé toutes ses construits. Ah ouais, il a brain hein. Sur ce coup là il a brain. Ah ouais, l'autre il a tiré dans le vide, il a pré-shot et tout. Il était en PLS. Du coup on a Chico. Il a profité de l'adversaire qui avait pas de construit. Joli. Du coup la grosse pote qui passe, malheureusement l'adversaire qui l'a entendu. Franchement c'est joli de la part de Mati parce que il a profité du saut pour revenir plus fort en fait. Joli kill. Du coup on a Hellfire du coup qui son spawn c'est Greasy Groove. Ce qui est bien avec Greasy du coup c'est les splatchs. Et on peut faire du métal, on peut faire du bois très très vite. C'est vraiment... Ah. Oh là, il vient de se rater avec son véhicule. Petit coup de Spider-Man qui fait plaisir. Du coup, ça le met bien. Ça le met bien parce qu'il avait vraiment besoin de munitions.
Donc on voit qu'il y a 11 survivants pour la Storm Surge. Il est juste au-dessus. Normalement ça passe, hein. Les chiens hein, qui fait... Les chiens hein, qui fait un petit carnage, hein. Et qui montre que les joueurs manettes, ils savent... Ils savent fumer des joueurs PC, hein. Lui, il le prouve, en tout cas. Jolie, la mongrale qui passe, des Siptos, un surpris, et sur ce coup-là, bah, elle a eu. Des Siptos et Clément, malheureusement, hein, qui auront pas su gagner 2 points lors de cette game. J'espère qu'ils vont revenir plus fort. Qui lui a fait quelques dommages. Qui aura essayé de gagner la zone. Bat Sniper toujours, toujours en vie. Fire hein, qui fait bien d'attaquer les pieds, du coup ça va, il a beaucoup de maths hein. Ça regarde en haut, ça essaye peut-être de récupérer le high. Qui passe. Joli. Ça, c'est des petits free kills qui font plaisir et qui donnent des maths. Ok, parfait. Il s'est bien positionné. Podasai, hein, qui tue Arkane. Podasai qui nous quitte. Podasai hein, qui aura fait top 7. C'est parti pour Jamise. On voit qu'il y a un adversaire qui l'attendait.
joli ça, parce que ouais, très très joli. Il se bloque juste au-dessus de l'adversaire pour justement le Brain Hellfire hein, qui nous quitte. Hein. Du coup, Janice hein, qui profite du coup des moments importants comme il l'a fait du coup des KS lors de la game numéro 1. Joli moment important aussi, profite d'un fight. Donc franchement, tout se passe bien pour Janice. Et il fait top 1 en plus. Franchement, tout s'est très bien passé comme Janice. Hein. C'est pas la game compliquée qu'on a vue de Ryzen lors de la game numéro 1. Bravo Janice.